Ah, c'est chelou. C'est chelou. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. C'est quoi ce truc de malade? J'ai failli percuter une créature de cinglé. Un truc qui est passé, genre ça faisait 2 mètres de haut, c'est passé devant ma voiture, j'ai pilé net. J'ai mis les warnings sur ma voiture. C'est quoi ce bruit de malade? Ok, vous allez me dire, qu'est-ce que tu fous ici, David, en pleine nuit, en pleine forêt? Je viens d'éteindre les warnings, j'entends un truc chelou. Je sais pas si vous capterez à la caméra, on entend des grognements. Je vais m'en remettre. Ok. Je viens de poser ma caméra sur la voiture. Pour vous expliquer, j'ai été contacté. C'est quoi ce truc de malade? Pour vous expliquer, j'ai été contacté. Quoi ce truc de malade? J'ai été contacté par une personne qui vit dans la région en fait et qui vient se balader souvent dans ce coin-là. Ah, je vais me garer un peu plus loin, je vais essayer de me placer. Je vais me garer plus haut, c'est chelou, il y a des grognements.
Je vais garer la voiture sur le côté et on se retrouve juste après. Ok, je viens de placer la voiture sur le côté. Je vais vous montrer. Je l'ai mise là, sur le côté de la route. Et en fait, pour vous expliquer, voilà. Je montais la route comme ça pour aller sur ce fameux lieu qu'on m'a indiqué sur Facebook. Et en fait, j'ai vu un animal, une créature chelou qui faisait au moins 2 mètres de haut. J'ai pas eu le temps de voir, ça allait très vite. J'ai failli la percuter, j'ai pilé. Et en fait, elle est partie dans cette direction-là. Et en fait, ça s'est arrêté. Et c'est pour ça que j'ai commencé à filmer dans la voiture. Et putain, j'entends du bruit derrière moi. C'était quoi? J'ai l'impression d'avoir vu bouger là-bas. On va s'avancer plus loin. J'ai l'impression... On va dire... Ah, j'ai l'impression qu'on m'observe. Quand c'est un truc de malade. Une route là qui mène à un endroit bien précis là-haut. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on m'observe. Pourtant, la créature que j'ai vue, elle est partie par là. Et qu'est-ce que c'était? Je sais pas, c'était pas genre un cerf, un truc comme ça, j'en sais rien. C'est pas possible. Bouger là-bas. Je vais bouger là-bas. C'est un truc de malade, j'ai l'impression. En fait, genre quand je m'arrête, quoi. En fait, quand je marche, j'ai l'impression qu'on me suit, quoi. Que ça fait du bruit juste à côté, là, dans les fourrés. C'est trop bizarre. Et quand je m'arrête, ça s'arrête de faire du bruit. J'espère que j'arriverai à capter le bruit avec la caméra. Ce que je trouve curieux, c'est si c'est un animal, pourquoi là? Là! Qu'est-ce que c'était, putain? Ça vient de traverser encore une fois. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, je vous jure, ça a sauté devant moi. J'ai vu une ombre sombre, une grande ombre, en fait, hein, une silhouette d'au moins 2 mètres de haut. Ça a traversé, ça a sauté. D'ailleurs, j'ai capté... J'ai cru entendre des crocs. Ici à peu près, ça va traverser.
c'est là. Ça a sauté, ça fait un bruit de malade. Ok. Je vais poser la caméra sur ce cube là, en béton. Tête de ma mère, j'entends des bruits comme si ça me suit, sa race. Qui êtes-vous ? Ok, alors vous allez me dire, je me répète, mais vous allez me dire qu'est-ce que je fous ici. En pleine nuit, en pleine forêt, dans cet endroit seul chelou. Que je vous ai... Ah, j'ai... Je me sens observé, c'est dingue. C'est assez chelou, mais je ressens pas le côté démoniaque, en fait. Je ressens pas d'entité démoniaque. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est animal. Mais un chevreuil, c'est balèze, hein, c'est grand. Mais c'est pas comme ça, j'ai l'impression que c'est... Il y a quelqu'un ? Juste ici. Ça va bouger là. Je bataille avec ma lampe pour essayer d'allumer qu'elle clignote pas, tu vois. Je viens d'entendre un bruit, en fait, à l'endroit où je vous ai montré. Je vous remontre. Genre, je réécouterai mieux, j'ai l'impression que c'est des grognements. Ma mère, j'entends que ça craque juste là, là. J'ai l'impression que ça m'observe. Il y a quelque chose qui m'observe. Je sais pas si vous voyez. Qu'est-ce que je fous là, bordel? Qu'est-ce que je fous là en pleine nuit? Je vais tomber nez à nez avec un solitaire, vous savez, les gros sangliers de sa race.
Ah, ah, enculé. Ah, 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 ah. Wow, c'est quoi ça? Faut que je retourne à la voiture, bordel. C'est quoi ce truc de dingue? Putain, ça me rappelle un truc, bordel. Ah, c'est chelou. C'est chelou. Ouais, je me tiens, c'est chelou. C'est chelou, c'est quoi ça? C'est des loups ou quoi? Putain. Putain, c'est chelou. Des bruits par là, des grognements, sa race. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, ça me suit, sa race. Putain, quand je m'arrête, ça s'arrête. Putain, nouveau des hurlements, c'est quoi ça? Putain, mes clés, bordel! Oh putain, ça vient sur moi là! Peut-être dans ma mère, c'est tout à côté! C'est quoi cet animal? Je viens de m'arrêter là. J'ai pas pris ma ventoline, je suis en train de me taper une crise d'asthme. C'était pas démoniaque. C'était pas des créatures démoniaques. C'était physique. C'était animal, quoi. C'était animal. Ça me fait trop penser à une expérience que j'ai vécue auparavant. Et qui a été mauvaise sur tous les points, quoi. Ouais, je cut, je vais rentrer. Je verrai ça au montage.